Eh bien, émission radar numéro 122 du samedi 16 janvier 2021, intitulée Affrontements olympiques et sous-titré 1924-2024. Bon, alors, pour commencer, je vais déjà m'excuser, on démarre une demi-heure en retard, mais bon, Marc s'était endormi, donc on devait se retrouver une demi-heure avant 18h pour régler les problèmes techniques et lancer l'émission. Il s'est endormi, donc j'ai laissé plein de messages audio, des SMS, des messages sur Skype, et puis j'ai commencé à stresser grave, et j'ai essayé de faire un direct sur Facebook, mais bon, l'interface, il y a plein de choses qui ont changé. Donc voilà, on démarre en retard. Donc je vous souhaite à toutes et tous un bon couvre-feu 2021 à 18h, hein. Bonne nuit les petits. On est rentré un peu plus loin dans l'infantilisation des masses. Donc j'aurais pu réellement intituler l'émission de ce soir, donc cette émission Radar 122, Touche pas au Grisby salope, hein, en hommage au grand Michel Audiard. En effet, le choix de l'affrontement est toujours une démarche commerciale, une démarche totalitaire qui consiste à dire c'est à prendre ou à laisser. Réduire les choix proposés à des non-choix imposés est une technique entrepreneuriale de domination qui est toujours gagnante. Les affrontements olympiques participent de la même nuisible et perverse logique commerciale. L'axiome de la concurrence obligatoire entre individus ou groupes d'individus ne doit jamais être mis en cause. Jamais. Jamais. Vous vous devez d'être le plus rapide. Eh oui. Le plus fort. La peur de la défaite vous y aidera efficacement. Votre subordination contractuelle sera moins liée à l'espérance des lauriers et des privilèges rattachés à un éventuel triomphe qu'à la certitude du funeste sort réservé aux losers, aux perdants. Voilà l'aiguillon terroriste de tous les impérialismes, de toutes les tyrannies, fussent-elles patriarcales, voire uniquement domestiques. Voilà. Donc on le voit bien, ce que je viens de dire, c'est en rapport direct avec notre affiche et sur notre affiche avec ce dessin humoristique par rapport à Paris 2024, donc où on voit un pauvre SDF avec son chien, avec sa pancarte « J'ai faim ». Alors, c'est très important parce que nos sociétés militaro-industrielles thermonucléaires, 20% de la population planétaire qui consomme 90% des ressources, ont pour arme principale les organes de propagande médiatique, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Voilà. Ces médias de masse sont indispensables pour entretenir quotidiennement les peurs choisies. Je dis bien les peurs choisies en fonction d'objectifs nationaux et internationaux. Il ne faut jamais voir dans d'éventuelles convergences d'intérêts des complots. Les opportunistes font toujours flamme olympique de tout bois. Mon ami Pierre Merechkowski m'a dit récemment au sujet des émissions radar: je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à filmer une personne qui parle pendant une heure. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Notre intérêt doit être sollicité par les informations véhiculées par nos propos. Si l'image de la personne qui transmet ces informations permet au spectateur d'éprouver la sincérité des propos tenus, on aurait tort de s'en priver. Voici ce que l'on pouvait lire dans un article de Libération.fr daté du 6 octobre 2016. Si l'euro 2016 a coûté plus de 2 milliards d'euros à l'État et aux collectivités territoriales pour rénover des grands stades privatisés et sécuriser les fan zones de l'UEFA, au détriment de projets sociaux essentiels, l'organisation des Jeux, donc des Jeux Paris 2024, pourrait gréver encore plus les finances publiques mobilisées dans des constructions sportives sans réelle utilité sociale pour la majorité de la population. Voilà, je ferme les guillemets de cette citation. Quelle utilité
sanitaire et sociale peut bien avoir un couvre-feu avancé à 18 heures. Voilà, ça c'est une question que je pose à toutes et toutes. S'agit-il d'une piqûre de rappel dans le cadre de l'entretien médiatique institutionnel de la peur du Covid? Autre question, et à laquelle j'aurais tendance à répondre par un oui massif. Sommes-nous avec ce couvre-feu dans la même configuration que celle des décisions mafieuses du Comité international olympique, CIO, qui consiste à mettre en place légalement une pompe à fric d'argent public au détriment de notre santé, donc de nos vies, et au profit de grands laboratoires pharmaceutiques? Ça, c'est une autre question que je pose. Alors, de manière réellement pragmatique, seuls les actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques, en partenariat public pour les investissements hein, et privé pour les dividendes, ont intérêt à alimenter médiatiquement les peurs qui leur sont profitables. Parler de vaccins au sujet d'injections d'ARN encapsulées dans des bicouches lipidiques artificielles est mensonger. Mensonger. Omettre de préciser que le laboratoire Pfizer a écopé en 2009 de la plus forte amende infligée dans le secteur industriel pharmaceutique pour pratiques commerciales frauduleuses, pour avoir persisté à commercialiser un anti-inflammatoire malgré l'alerte sanitaire lancée par la Food and Drug Administration américaine, car cette molécule était responsable d'accidents cardiovasculaires mortels, eh bien, omettre de nous préciser cela est criminel. Faire appel au cabinet privé américain McKinsey pour participer à déterminer la stratégie vaccinale nationale est un autre biais légal pour pomper allègrement le trésor public. Que dis-je ? C'est une aubaine, une véritable opportunité en partenariat public-privé. L'inique gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne n'est pas en reste. Tous les contrats que signent les commissaires intergouvernementaux avec des laboratoires pharmaceutiques privés sont classés confidentiels et cela représente plusieurs milliards d'euros. Dans les faits, la santé de 448 millions de personnes appartenant au territoire des États-nations membres de l'Union européenne, est otage d'individus non élus qui signent des contrats secrets avec des compagnies privées cooptées. Décidément, les oligarchies règnent sans partage sur nos vies. Elles se goinfrent à notre santé et en toute légalité si l'on omet de signaler, comme le font tous les médias de masse aux ordres, que la criminelle mafia intergouvernementale de l'Union européenne est imposée aux populations qui appartiennent au territoire français contre leurs décisions démocratiques effectuées lors du référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que la pratique régulière d'une activité physique dans un environnement sain, c'est-à-dire exempt de fibres d'amiante, de radionucléides, de pesticides, etc., est excellente pour la santé. Ah oui, oui, ça, et pourtant, nos sociétés carcérales, adeptes de la sédentarisation imposée, de l'intégration stérilisante et de l'infantilisation généralisée, font la criminelle promotion de la mobilité électrique. Au-delà du gaspillage de terres rares que représentent ces nuisibles gadgets électriques, ils réduisent notre activité physique quotidienne à peau de chagrin. Ils sont donc mauvais pour nos santé et ils augmentent notre mortelle dépendance électronucléaire. Dans la même logique mortifère, le groupe Total, leader mondial du photovoltaïque, car actionnaire majoritaire de SunPower, ce groupe industriel fera tout pour empêcher le développement d'une filière solaire thermique en France qui seule pourrait nous sortir de la mortelle impasse de notre dépendance au pétrole confessionnel saoudien et au gaz des mafieux de Gazprom. Le groupe privé Total, entreprise industrielle
pétrolière et gazière ne va pas tirer une balle dans le pied de ses actionnaires. Les filières locales de biogaz agricole ne sont pas pour demain non plus. Qui a vendu nos centrales thermiques et nos barrages et à qui? Voilà, ça c'est intéressant comme question. Hein, Emmanuel, pourrais-tu y répondre? Nous sommes dans le respect du nuisible esprit de compétition. L'homme trottinette électrique est plus rapide que le piéton. Mais surtout, c'est un meilleur consommateur, un actionnaire putatif, donc un bon citoyen de l'Union européenne. Qu'une poignée de personnes courent le 100 mètres en dessous de 10 secondes n'a strictement aucun impact sur les performances moyennes de l'ensemble des individus de l'espèce humaine. À bas les bicyclettes électriques proposées par les marchands de bagnoles électriques comme cadeau de participation à la destruction industrielle programmée et consumériste de la biosphère terrestre en cas d'achat de leur dernier rêve automobile décarboné. Vive les Jeux Olympiques de Pékin 2008! Et tant pis si je m'ouïgoure. Oui, c'est vrai, tant pis si je m'ouïgoure. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Jeu de mots, monsieur Capello. Jeu de mots, monsieur Capello, effectivement, eh bien la vie est comme un jeu de mots. C'est-à-dire, elle reste incontrôlable car stochastique. Nos constituants infinitésimaux sont régis par une mécanique, dite quantique, qui est, au bon sens près de chez nous, ce que les tribulations d'Alice au Pays des Merveilles sont au Crédit Agricole. La Covid varie comme une roulette biologique franco-russe. Alors, franco-russe, pour ceux qui regrettent le père spirituel du petit cron, alias du flanc premier. Ces variations ribonucléiques hasardeuses sont pourtant la garantie que 100% de l'argent public investi dans les thérapies prétendument gratuites, mises au point par de grands laboratoires privés, finiront dans les escarcelles de leurs nervis intergouvernementaux en partenariat public-privé et plus si affinité. Comme au casino, quand les peuples jouent les jeux électoraux des gouvernances, ils sont toujours perdants. Toujours, toujours, toujours. Alors localement, le petit cron, la Brigitte, n'ont pas respecté les gestes barrières du casino sanitaire et asocial français. Les seuls apparemment, hein. Il y a pas mal d'hommes d'État qui ont chopé le Covid. C'est un bon exemple justement. Sont-ils passés par la casse-prison? Ont-ils versé 270 euros au trésor public? Se sont-ils dénoncés mutuellement aux autorités incompétentes préfectorales? Quel avenir sera réservé à la famille de paille régnante des institutions militaires ou industrielles nucléarisées nationales? Voilà, ça c'est une autre question. Alors, no picture, no power. On pourrait traduire pas d'image, pas de pouvoir. Eh bien, début 2021, la machine médiatique nationale a fabriqué les illusoires rois élus est en deuil. Et oui, Napoléon, la Carla, la Brigitte et le petit cron, côte à côte, aux obsèques du directeur de la rédaction de Paris Match, dans une église bondée, comme les transports en commun pendant un confinement sanitaire. Mais là, point de sans-dents, point de feignant, voire de rien, uniquement des guignols médiatiques tirés à quatre épingles que le système agite quotidiennement devant nos yeux, dans la perpétuelle danse médiatique et hypnotique d'une réalité de synthèse où nos vies dépendent plus d'un nouveau porte-avions nucléaire de 305 mètres de long que de l'augmentation du budget des services publics de santé. Notre dernière émission radar du dimanche 13 décembre 2020, en direct chez et avec Pierre Merechkowski, nous avait redonné le goût du contact direct, le goût du réel. Malheureusement, un mois plus tard, un mois sans émission radar, pendant lesquels les pilleurs de peuples et leurs complices n'ont connu ni trêve, ni chômage structurel. Ils nous ont préparé un accord national interprofessionnel sur la santé au travail, avec pour sympathique acronyme ANI. Tu vois, ça me fait penser à la chanson de Henri Salvador. La petite amie, c'est ANI, elle est merveilleuse. Voilà,
Donc, Annie, pour accord national interprofessionnel sur la santé au travail, que des états-majors syndicaux ont ratifié contre nos vies et nos santé. Ces organisations prétendument représentatives ont négocié la loi travail, réécriture par et pour le MEDEF du Code du travail et bradage des régimes de retraite, alors que l'ensemble de la classe sociale des exploités, descendants et des jaunes exigeait son retrait pur et simple. Retrait. Les mêmes collaborateurs syndicaux et politiques agréés par le système électoral pervers de l'abominable constitution de la Ve République militaro-industrielle nucléarisée ont déjà signé, pour se partager avec le MEDEF, le pactole d'argent public que représente le Grand Paris, la mascarade olympique 2024 et les nuisibles chantiers parisiens indispensables tel celui de la tour Triangle, 180 mètres de haut de délire immobilier anti-écologique au cœur du parc des expositions de la porte parisienne de Versailles, et malgré l'opposition des riverains, ou devrais-je dire des riveriens. Je me permets de reprendre ce qu'écrit l'association Henri Pézra au sujet de cet accord Annie sur la santé au travail. Donc je cite. L'objectif central de cet accord est de reporter la responsabilité des atteintes à la santé des travailleurs sur la vulnérabilité de ces derniers et leur propre responsabilité, et non sur les conditions de travail qui menacent leur intégrité physique et psychique. Fermez les guillemets. Cela me laisse le sentiment que la gestion politique et mercantile nationale de l'actuelle crise sanitaire mondialisée, qui n'en est qu'à son premier anniversaire, permet au système militaro-industriel de production, de masse et de commerce international, système responsable des conditions matérielles de la survenue et de la propagation du fléau biologique Covid, d'en instrumentaliser les conséquences sanitaires et sociales à leur profit exclusif. Merci Annie. Alors ça c'est une question, hein. Merci Annie. Alors Annie, A-N-I, voilà. Alors puis l'association Henri Pézra poursuit son appel aux organisations syndicales de salariés du 30 décembre 2020 en ces termes. Donc 30 décembre 2020, tu vois, il y a déjà presque un mois. Alors, j'ouvre les guillemets, cette analyse nous amène à lancer un appel solennel aux organisations syndicales pour qu'elles refusent de signer un tel accord. Alors, comme le précisait le grand philosophe Pierre Dac, la mort n'est, en définitive, que le résultat d'un défaut d'éducation, puisqu'elle est la conséquence d'un manque de savoir-vivre. Alors, l'appel a été lancé, l'appel a été relayé, mais devait-on espérer quelque chose de bon d'état-major qui négocie et ratifie des accords quand leur base s'y refuse, et surtout quand elles exigent le retrait de toutes les criminelles régressions sanitaires et sociales préméditées et imposées par le MEDEF, par le patronat. Cet accord Annie dont je viens de vous parler, il a été signé par la CFDT, par la CFE-CGS, par Force Ouvrière, par le MEDEF et par l'UDP. Il sera intégré à la loi visant à réformer la santé au travail, c'est-à-dire crever en travaillant, dont l'examen par le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée nationale devrait avoir lieu en février 2021. Voilà, février 2021. Alors, en attendant une réouverture populaire de tous les commerces et de tous les lieux de culture, dans le respect des gestes barrières, hein, de distanciation sanitaire, de port du masque et de lavage fréquent des mains, pour le jour de mon anniversaire, le 1er février prochain, gardons un œil attentif sur tous les états-majors politiques et syndicaux complices de la peur virale entretenue par un patronat national qui garde toujours son bras bien tendu, quelles que soient les époques, vers la croissance des dividendes de ses actionnaires en faisant fi de nos santé et de nos vies. Ce sont ces patrons, adeptes synergétiques, convaincus, qui espèrent nous reconvertir
par d'habiles procédés d'ingénierie médiatique, génétique, psychologique et sociale, aux valeurs fascisantes et archaïques d'une antiquité fantasmée, à leur rêve d'une autorité entrepreneuriale par transmission divine. Jupiter nous doit-il plus que la lumière? Doit-on faire le jeu du patronat français et international à travers leurs mascarades électorales et olympiques? Voilà de bonnes questions. L'industriel Henry Ford est né à la fin du 19e siècle, comme le propagandiste Pierre de Coubertin. Ils partagent ensemble la même admiration pour la force, pour la virilité. Alors, Henry Ford crée le criminel concept d'hygiène politique et affirme au début du XXe siècle, ouvrez les guillemets, la principale source de la maladie du corps national allemand, c'est l'influence des juifs. Fermez les guillemets. Socialement, il financera la pègre de la ville américaine de Détroit afin de mener des expéditions punitives contre les syndicalistes qui menacent ses profits colossaux. Il sera un des inspirateurs et des financiers principaux d'Adolf Hitler et du Parti National Socialiste Allemand, alias Parti Nazi. Alors, Nazi, c'est un acronyme moins sympathique qu'Ani, comme quoi, dans le désordre, avec un petit Z en plus, ça fait toute la différence. Pierre de Coubertin est un nationaliste et un colonialiste français. Comme Henry Ford, il voue à Adolf Hitler une admiration sans bornes. Comme lui, il pense que la race, ce dangereux et obsolète concept pseudo-scientifique, est le moteur de l'histoire. Ah oui, le moteur de l'histoire. Alors, l'écrivain, le scientifique et le résistant Jacques Bergier a attiré mon attention à travers ses écrits sur le fait que Marx fait de la lutte des classes le moteur de l'histoire. Mais que la thèse de l'historien américain du début du XXe siècle, Silas McKinley, reste malheureusement peu connu. Cet historien pense que le moteur de l'histoire, le moteur des structures sociales et politiques, est le résultat de la complexité des armes en usage. Cette thèse ne vient pas nier celle de Marx, mais les rapports de force que sont les luttes de classe seraient conditionnés par cette variable technologique. Si des armes sont simples, alors elles sont à la disposition de toutes et tous. Donc les rapports de force sont équilibrés et par voie de conséquence, les rapports sociaux tendent vers la démocratie. Si au contraire, les armes deviennent complexes, voire extrêmement complexes, celles-ci sont uniquement disponibles aux États, voire aux trusts, donc plus du tout aux particuliers, aux individus. Et les sociétés humaines résultantes de cet état de fait technologique sont de type dictatorial. La lutte des classes est aujourd'hui militairement totalement asymétrique, donc militairement vouée à l'échec. Mais alors, quel espoir nous reste-t-il au sein des sociétés militaro-industrielles thermonucléaires pour faire salutairement pencher la balance du côté de la démocratie? Eh bien, je vais répondre à cette question. Il nous reste les arts. Eh oui, les arts. Pas celui qui prend le soleil sur son petit mur de pierre, non. Les arts, comme dans Radar, Rad, apostrophe art, comme l'art dans un café, on appelle aussi Rad, les arts. Il nous reste les arts qui sont au jeu pitique. Rien à voir avec César. Non. Je dis les arts qui sont aux Jeux pitiques, ce que les armes terroristes thermonucléaires sont aux Jeux olympiques. Le report par la mafia du Comité olympique international, CIO, des Jeux olympiques de Tokyo prévus initialement en 2020, n'est malheureusement pas lié aux conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima. En effet, l'Organisation mondiale de la santé,
l'OMS, est liée aux décisions de la criminelle agence onusienne de l'énergie atomique, la IEA, qui doit faire statutairement la promotion d'une filière intrinsèquement antinomique avec la vie, la filière nucléaire. Le coronavirus, SARS-CoV-2, alias Covid-19, est un virus naturel qui est devenu invasif en 2019 uniquement à cause des activités militaro-industrielles, aéroportées, commerciales et mondialisées. En décembre 2020, l'ambassade de Chine à Paris a prévenu le petit cron au sujet du Covid-19. N'oublions pas que le frelon asiatique, lui aussi naturel, est devenu invasif en France à cause de l'importation de poteries chinoises en 2004. En tant que bio-indicateur de la nuisibilité mondialisée du commerce international, je tiens à remercier les frelons asiatiques et la Covid-19. Si nous légiférons de manière restrictive sur la nuisible liberté de circulation des marchandises et des capitaux, sur la réduction drastique du trafic aérien, alors la Covid retrouvera la pénombre forestière protectrice de ses amis pangolins et chauves-souris, et elle restera naturellement confinée. La mortelle illusion d'une planète transformée en place de marché, voire en forum mondial, et du même nuisible acabit que tous les Jeux olympiques. Depuis 1896, date des premiers Jeux olympiques dits modernes, le sport est employé comme anesthésiant idéologique par les militaires, par les paramilitaires, par les industriels, par les États-nations et par les institutions internationales. Les grands prêtres de cette religion sportive, fondateurs du Comité international olympique, réfugiés comme Alain Soral en Suisse, et oui, le CIO, il a son siège en Suisse, c'est une organisation privée qui a son siège en Suisse, comme le bobo facho Alain Soral, il s'est planqué, il est réfugié en Suisse, le pauvre garçon. Alors, ils n'auront pas de cesse de promouvoir le criminel et ancien culte de la performance, de l'efficacité, de la force virile. Voilà, quand même, situs, altus, fortus, qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. C'est ça la devise des Jeux Olympiques, hein. Comme le petit cron, tous les concepts religieux ne sont ni de gauche, ni de droite. Par contre, leur nuisibilité est malheureusement identique. Les héros de l'Antiquité, ces athlètes qui, contre rétribution, défendaient la suprématie commerciale et militaire des cités-États grecques, trouvent leur pendant parmi les héros sportifs modernes, sponsorisés et médiatisés par des entreprises transnationales et des États-nations, dans le seul et unique but de conforter à grands frais l'illusion qu'une adhésion physique et psychique au culte compétitif de la performance et de l'efficacité, en tant que garant, est une garantie de faire partie de la race des champions, des dominants. Et oui, la race des surhommes, voilà, la race aryenne, la race des bons à rien. Voilà. Alors, souvenons-nous des criminels et pathétiques meetings Areva à Saint-Denis. Et oui, faut pas les oublier, ces putains de meetings Areva. Le taylorisme et le stakhanovisme ne sont que les avatars militaro-industriels modernes de cet antique matérialisme triomphant et déshumanisant. L'esprit du monde est esprit de compétition. Il est défi à relever, objectifs commerciaux à atteindre, concurrence à éradiquer, relever, atteindre, éradiquer. Voilà pourquoi il est essentiel de criminaliser les différences, qu'elles soient phénotypiques, couleur de peau, économiques, voire culturelles.
C'est l'origine même de tous les racismes, cette criminalisation de l'autre. Il est impossible d'adhérer à ce funeste concept de l'efficacité mondialisée sans apercevoir ses terribles conséquences sanitaires et sociales sur l'ensemble de la biosphère terrestre. En un petit millénaire, la Grèce antique a déboisé et désertifié la totalité de son merveilleux archipel. Des activités non industrielles, pastorales et maritimes ont malheureusement suffi. Aujourd'hui, la planète à laquelle nous appartenons subit les conséquences irréversibles des dépradations infligées en un peu plus de deux petits siècles par nos récentes et néanmoins spirituellement archaïques sociétés militaro-industrielles dites modernes. Il nous reste uniquement le pouvoir de dire stop. Mais, celles et ceux qui tiennent les volants des sociétés automobiles et électronucléaires ont les pieds écrasés sur les champignons à profit. Nos libertés futures dépendent très directement de nos renoncements présents. Il est essentiel, vital, de boycotter toutes les mobilités électriques et tous les Jeux olympiques, en commençant par les Jeux olympiques Paris 2024. Et alors, j'avais fait un visuel que j'avais déjà montré sur l'émission Need to Ignore, besoin d'ignorer à la place de besoin de savoir. Et effectivement, si on reprend ce que j'ai écrit, eh ben j'y mets Pierre de Coubertin a démissionné du Comité international olympique en 1925. Malgré tout, il participa activement à l'organisation des Jeux d'été de Berlin en 1936. Voici un petit extrait du discours qu'il prononça lors de la clôture de ces Jeux olympiques organisés par le régime nazi. Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Pierre de Coubertin admirait Adolf Hitler. Quand on lui posait une question au sujet de cette admiration, il répondait: comment voudriez-vous que je répudie la célébration de la 11e Olympiade? Puisque aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu. Pierre de Coubertin considérait qu'Adolf Hitler avait beaucoup fait pour le retentissement des Jeux olympiques. L'esprit de compétition et l'esprit nationaliste sont de nuisibles et mortelles plaies mondiales contre lesquelles l'insubordination non violente active doit être permanente. Voilà, notre prochaine émission radar, la numéro 100, 123, aura lieu en direct dans l'espace encore public. Voilà, en l'absence de confinement social, hein, parce que si ça se trouve, nos criminels guignols de l'Élysée de Matignon vont peut-être être obligés de confiner un peuple qui a bien envie, dès le 1er février, de réouvrir toutes les salles, les cinémas, les théâtres, les restaurants, les cafés. Voilà, si tous les directeurs de salles de théâtre cinématographique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, de théâtre, de restaurants, de cafés et autres lieux de culture, eh bien, décident le 1er février 2021 de tous être ouverts, voilà, eh bien, la police ne pourra strictement rien faire. Et de plus, si les commerçants et les directeurs de salle se précipitent quand la police vient se concentrer sur un commerçant, voilà, pour essayer de faire un exemple, eh bien, on verra que le pouvoir dont se bercent des gens comme le petit Cron est une pure illusion. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est le peuple. Et donc,
S'ils pourront toujours décider d'un reconfinement 2021, mais sinon, nous, le samedi 23 janvier 2021, eh bien, on fera notre émission dans l'espace encore public de 16h à 17h, bah, pour cause de couvre-feu à 18h. Voilà. Elle sera intitulée La Cave. Voilà, un peu en référence à la fois, je dirais, à l'art pariétal ou aux catacombes, enfin, à ces oppositions qui parfois ont été obligées d'être underground, souterraines, pour pouvoir passer des périodes, je dirais, oui, de ténèbres. Et elles seront échanges audiovisuels désintéressés en décor naturel par et avec Pierre Merejkowski. Voilà, bon, je vais laisser la parole un petit peu à mon ami Marc, parce que souvent sur ces émissions, il a le rôle ingrat, je dirais, de la captation. Et donc j'aimerais pour une fois qu'il retourne vers lui son engin et qu'il nous donne un petit peu son sentiment, à la fois par rapport à ce que je viens de dire et par rapport au couvre-feu, par rapport à toutes ces choses, parce que il a des astreintes assez fortes dans son travail. Donc, je suis obligé de dire ex-cheminot, vu que malheureusement, si sur les trains, il y a encore marqué SNCF pour Société nationale des chemins de fer français, eh bien, en réalité, il n'y a plus de Société nationale des chemins de fer français. Elle a été bradée au privé, et puis on nous la fera racheter au prix fort quand il s'agira de réinvestir. Mais là, pour le moment, il s'agit de voler 500 millions d'euros de dividendes tous les ans dans la poche des contribuables. Donc, je te laisse un peu la parole, Marc. Bon, donc ce que je fais, c'est que je vais tourner les deux, à la fois mon Oui. pied et l'écran. Par contre, comme j'ai pas le rendu, je ne sais pas du tout si je suis bien cadré. Par contre, toi, Roger, tu me vois, Et moi, je te et vois. moi, je continue le direct en faisant comme ça. Alors, tu m'as posé une question, tu voulais avoir mon état d'esprit actuel par rapport à ce que tu viens d'exprimer et surtout par rapport à ce qu'on vit. Bah tu déjà d'abord je vous regarde tous dans le blanc des yeux, je m'en excuse. Moi je vis à d'épuisement total et complet pour m'efforcer simplement de continuer à faire mon job avec les moyens qu'on me donne. Alors, il y a des fois je dors 3 heures par nuit. Je suis totalement en vrac, mais je réponds présent. Je réponds présent dans mon quotidien. Je réponds présent avec Roger. Quand il me demande de venir sur la place de la République, c'est pas lui qui me le demande, c'est moi. Je le fais parce que je suis adepte de la vie comme tout le monde, comme nous tous. Ça fait 32 ans que je suis dans le ferroviaire. Qu'est-ce qu'on fait? On transporte des gens avec les moyens qu'on nous donne. On nous punit parce que au niveau législatif, on est des nantis, des privilégiés, des ce que vous voulez. Mais on fait tout ça avec les moyens dont on dispose. Cette semaine, je suis venu rejoindre Roger sur la place de la République à 18h30 parce que j'ai pris l'initiative de lâcher mon job. Voilà, parce que j'ai besoin, comme lui, comme toi, comme nous, de nous rencontrer, de partager avec tout le monde, malgré ce qu'on vit, l'épuisement, ben, je m'excuse, j'en pleure, je suis en vrac, mais je suis là, voilà, avec ce que je peux. J'ai très peu d'énergie, je m'en excuse, parce que c'est comme ça, quotidiennement. J'ai repris, moi, l'initiative de reprendre mon boulot en continu, ça va faire 2 mois que je brave ce qu'on nous demande d'être confiné, de faire du télétravail avec les risques que tout le monde connaît. Je me porte un masque, j'ai du gel hydroalcoolique sur moi, je prends les transports en commun. Mais pourquoi j'y vais? C'est parce qu'on transporte des gens. On était 275 000 quand j'ai commencé, moi, en 89. Je parle du nombre de personnes à vouloir faire rouler du train. Aujourd'hui, on est à peu près 100 000. Donc ça veut dire que le ferroviaire, il s'est fait démanteler. Il n'y a pas que le ferroviaire qui vit ça. La santé, c'est exactement la même chose. Elle s'est fait Les services démanteler. publics. Exactement. Donc aujourd'hui,
Moi, si je suis en vrac, si Roger est lui-même épuisé, et si nous tous, nous sommes en vrac, c'est parce qu'on continue encore une fois de plus à subir les conséquences d'une gestion, Roger l'a si très bien dit tout à l'heure, à propos du référendum en 1985 de l'Union 2005. 2005, pardon, de l'Union européenne, c'est qu'on n'en veut plus, on n'en veut pas. Ils nous ont ficelés avec leur constitution de 1958. On se retrouve tous pieds et mains liés à contribuer à ce système. Alors on peut envoyer les acronymes qu'on veut ou les qualificatifs qu'on veut. On est tous plus ou moins pieds et mains liées dans cette société dont personne ne veut et on n'arrive pas à en sortir. Nos gouvernants, alors là, c'est le pompon, ils nous. On a tout entendu. Portez un masque, ne portez pas un masque. Sortez, ne sortez plus. Du coup, moi, je suis arrivé à un stade de saturation. Je veux même plus en entendre parler. Je n'écoute plus les informations, tellement c'est négatif et ça pèse sur tout le monde. Et ça pèse pas seulement sur moi. Moi, je me lève le matin, je prends le journal, blam! Il y a encore, je sais plus combien de morts. Et puis, ça fait des mois que ça dure. Donc, on est arrivé tous, moi y compris, à un état de ras-le-bol à subir, parce que, bon, ben, on subit, cet état de fait dont on ne veut plus. Il nous montre l'exemple comment, ben, en chopant le Covid, la Covid-19, eh ben, ils sont comme nous, c'est des êtres humains, ils sont incapables d'administrer des États-nations. Alors là, je vais dire trois trucs simples. Pour moi, les États-nations, c'est tous des néocolonialistes, c'est tous des militaristes et c'est tous des capitalistes. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, on veut se voir les uns les autres, on veut profiter de quoi? Ben, du peu de temps qui nous reste pour partager ensemble ce qu'on a besoin de faire ensemble. Eh ben, c'est de pire en pire. Alors, je m'en excuse, je pleure, je suis fatigué, je suis épuisé, j'essaye d'être présent comme je peux avec les moyens dont je dispose, mais on en est tous là. Roger, ça fait plus de 100 heures qu'on essaye de communiquer sur une situation qui nous échappe, non, mais pour laquelle on est tous dedans. On partage avec d'autres amis de la Terre, hein, parce qu'on est tous issus de la même planète, des gens qui sont retournés près du sol pour justement favoriser le rapport que l'être humain, hein, je rappelle, on est tous issus de cette même planète et on a tous besoin de la même chose, de s'alimenter. Et qui est-ce qui nous fournit tout ça? Ben, c'est notre planète. Alors, on est tous confrontés à une situation paradoxale, hein. Ah, super, la société, personne ne veut en sortir, personne ne peut, mais on le peut, on le peut. La condition, c'est bon, de le décider. Moi, je dis bravo à tous ceux qui ont rejoint cet esprit zadiste de se rapprocher du sol et de faire comprendre aussi à notre pouvoir d'où on vient, hein. On vient du sol qui nous nourrit et qu'on arrête de le polluer déjà avec des gestes normaux, tout simples, dans notre quotidien. Roger me fait signe, je pense qu'il a des choses à dire. Donc je lui renvoie la parole, je retourne l'écran et à toi, Roger. Ben, je dirais que ça m'a fait très plaisir que tu t'exprimes et puis que les gens voient que ce burn-out, qui est le tien, mais qui n'est pas uniquement le tien, qui est celui de tous les personnels de santé, de tous les gens qui font la société, ces gens qui font la société, ces gens qui font que y a du courant dans la paire de cuivre, y a des trams qui roulent, des bus qui roulent, des trains qui roulent, y a des hôpitaux qui sont ouverts. Eh bien, ce sont ces gens qui font, ce sont eux qui doivent décider. Et donc, moi, je rejoins l'appel du 1er février pour que tous les restaurateurs, tous les patrons de bars, tous les gestionnaires de salles de spectacle, de galeries, ouvrent le 1er février parce que c'est nous, le peuple, qui décidons. Et par contre, je l'ai bien dit, c'est dans le respect, le port du masque, on le porte, les distances sanitaires, on les respecte, les gestes barrières, on les respecte. Mais par contre, ces médias dont tu as dit
que tu voilà qui venait rajouter et qui venait entretenir cette anxiété. Oui, effectivement, les médias de masse, je ne parle pas des journalistes, les journalistes sont otages de ces médias, ils sont comme toi, ils sont obligés de travailler pour des sociétés privées qui font de la propagande plutôt que de l'information. Donc ces médias qui véhiculent la peur, qui l'entretiennent, sont responsables de présenter au public les événements du Capitole comme étant quelque chose qui aurait pu être évité. Et ce qu'ils auraient pu éviter, c'est de monter en épingle ces malheureux événements, parce qu'il y a quand même eu mort d'homme, de gens qui sont manipulés justement par les médias, à travers des conneries comme le Grand Reset, le Deep State, QAnon, c'est-à-dire tous ces abrutis qui veulent présenter un président des États-Unis particulièrement réactionnaire, parce que proche du dirigeant du Ku Klux Klan, un type, il faut bien voir les émeutes raciales qu'il y a eu aux États-Unis, comment elles ont été réprimées par M. Trump, et donc tout à coup, tu as une frange de gens qui se prétendent progressistes, qui viennent apporter leur soutien à cette immonde crapule. Alors, je dis bien cette immonde crapule, ça n'augure en rien de ce qu'est M. Joe Biden. Mais je ne vois pas pourquoi je rejoindrais ou je fournirais de l'eau au moulin des gens qui nourrissent l'anxiété sur des choses totalement fausses. Ce type est un raciste, ce type est un réactionnaire, ce type doit dégager. Il a perdu un processus électoral, il dégage. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est le sort du plus vieux prisonnier politique du monde. C'est le sort de M. Léonard Peltier. C'est le sort aussi de tous les autres prisonniers politiques aux États-Unis, notamment ceux des minorités noires afro-américaines, dont plusieurs représentants d'entre eux sont depuis des décennies eux aussi en prison, tout simplement parce qu'ils sont afro-américains et parce qu'ils n'ont pas voulu être subordonnés ou soumis à ce système. Eh bien, je dis, Joe Biden, le 20, quand il y aura la passation de pouvoir, que fort heureusement boycotte l'abominable Trump, eh bien, à toi d'annoncer la libération de Mounia, à toi d'annoncer la libération de Léonard Peltier, parce que tu donneras réellement un signe fort que ce système que je n'approuve pas, ce système qui est en train de s'effondrer, qui est le système qui a représenté le capitalisme et qui maintenant est en déliquescence, et d'ailleurs les événements du Capitole n'en sont qu'un des symptômes, mais ça va se poursuivre cette déliquescence. Eh bien, si on veut que ce système puisse permettre la survenue d'un nouveau système aux États-Unis, c'est-à-dire que moi j'ai hâte de voir un socialisme américain réel. J'ai hâte de voir les décisions que prendra réellement le peuple américain et non ceux qui s'en réclament et qui ne le représentent pas. Et pour moi, ceux qui s'en réclament et qui ne le représentent pas, c'est à la fois M. Joe Biden et c'est à la fois M. Donald Trump. Oui, effectivement, la démocratie, les États-Unis d'Amérique ont besoin de démocratie. La France a besoin de démocratie. La Fédération de Russie a besoin de démocratie. Le monde a besoin de démocratie. C'est de démocratie, c'est de pouvoir du peuple dont nous avons besoin. Et ce n'est pas d'état-major, ce n'est pas de gouvernance. Et c'est ça le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation de double pouvoir où les gouvernances et les gouvernements imposent les décisions à des peuples qui, eux, ont réellement le pouvoir. C'est ça. Si nos émissions radar pouvaient permettre aux résidents français de comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir, et si les gens, le 1er février, pouvaient dire, eh bien, ce matin, j'ouvre ma librairie, ce matin, j'ouvre mon théâtre, ce matin, j'ouvre mon restaurant, ce matin, j'ouvre mon café. Et j'en parle avec les autres cafetiers, avec les autres restaurateurs, avec les autres gestionnaires de salles de spectacle. Parce que si on est tous à faire cela le 1er février, ils ne pourront strictement rien faire. Et on montrera qu'en France, eh bien, la démocratie, elle peut venir de la base. Elle peut venir de la base, elle peut venir de nous. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça, ne déprimons pas. Au contraire, moi je dis que cette situation qu'on nous présente comme dramatique et anxiogène, pour moi au contraire, c'est une situation pleine d'espoir, c'est une situation ouverte. Et tu vois, Marc,
tu es dans une situation difficile, mais tu as participé au film Un confiné qui se tient sage avec Pierre Merezkowski. Et tu dois être fier de ça parce que c'est réellement un acte de création. C'est un acte qui dit, regardez, on peut faire. On peut faire, on peut dire. Et tant qu'on pourra l'ouvrir, tant qu'on pourra ouvrir notre gueule, il faut les ouvrir. Mais maintenant, il faut empêcher d'être assigné à résidence. Il faut empêcher que notre liberté de circulation et d'expression soit attaquée. Et ces lois actuellement qui attaquent nos libertés fondamentales, ces lois liberticides, ce sont elles qu'il faut faire tomber. C'est la loi qui peut aussi changer les choses. Et j'en ai parlé tout à l'heure, si on légifère pour réduire le trafic aérien, si on légifère pour réduire le commerce international, eh bien toutes ces pandémies et toutes ces espèces invasives qui sont liées directement à ces nuisibles activités, eh bien on n'en entendra plus parler. Elles ne seront plus un problème. La solution, c'est nous. La solution, c'est nous. Et l'ensemble des gouvernances et des États disent « le problème, c'est vous ». Voilà, ils disent que nous sommes le problème alors que nous sommes la solution. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous le samedi 23 janvier 2023. Donc on sera à une semaine de la prise de pouvoir par la base des décisions qui gouvernent le peuple français. Voilà, je vous remercie et je te remercie Marc. Et je vous dis donc au samedi 23. Et sinon, par rapport à Ali, eh bien ils ont passé le couvre-feu à 18h. Eh bien moi, qui suis un privilégié, parce que je profite du RFA, voilà, parce qu'il faut bien voir que les milliardaires, c'est leur discours. C'est-à-dire que les travailleurs, ils sont une charge sociale, hein, ils payent des charges sociales, ce sont des charges, voilà. Surtout les vieux travailleurs, on devrait les éliminer et avant qu'ils arrivent à l'âge de la retraite. Donc, parce qu'ils sont un problème, hein, les vieux, c'est le problème. Hein. Regarde dans le Covid, tu as vu comment on les a traités dans les EHPAD. Hein. Donc, il faut réellement qu'on arrive à comprendre que nous n'avons plus à subir. Nous n'avons plus à subir. Parce que nous respectons tout le monde, mais nous ne sommes pas respectés. Et donc, s'il y a une chose qui est due à tous, c'est le respect. Et ce manque de respect vis-à-vis de tous les résidents français, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'en aient pas, est inacceptable. Et donc, pour montrer que c'est inacceptable, on doit tous se réunir et dire voilà, eh bien nous, on va mettre nos masques, on va se laver les mains, on va garder les distances de sécurité, mais le 1er février, on ira au restaurant, on ira au café, on ira au théâtre, on ira au cinéma. Voilà. Et on dira au gouvernement, c'est comme ça, dorénavant, qu'il faut diriger le pays. Et si vous voulez nous mettre un couvre-feu, eh bien, mettez-le de 14h à midi. Voilà. Comme ça, il restera 2h, mais nous, le couvre-feu, on le respectera. Mais ils ne le feront jamais parce qu'ils n'auront plus leurs ouvriers qui se lèvent tôt. Parce qu'actuellement, l'avenir appartient aux milliardaires qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Et il ne faut pas oublier que depuis qu'ont commencé toutes ces périodes de confinement, depuis qu'a commencé cette crise sanitaire, eh bien, les milliardaires, les hommes les plus riches du monde, ont augmenté de 28% leurs profits. Et donc, il faut bien comprendre que ce que nous payons au prix fort leur rapporte au prix fort. Voilà. Et donc, il est vital, le 1er février, de montrer qui fait le pays, qui fait l'économie du pays, et qui doit avoir et qui doit décider. Voilà. Et ces mesures sont des mesures uniquement pour nous faire fermer nos gueules, pour nous soumettre et pour nous assujettir. C'est inacceptable. Voilà. Eh bien, je te remercie Marc. Et ben, à samedi 23 janvier. Ce sera de 16h à 17h en direct. Hein. Attention, ça va être encore plus tôt. Parce que comme on va être en direct, on va respecter le couvre-feu à 18h. Donc 23 janvier, 16h-17h, émission radar en décor naturel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.